On va passer les exos de grand-père. Bon, c'est y part. Oh, dommage, je vais la garder pour la fin, celle-là. Parce qu'elle est très jolie. Ah! Un PA pour le monsieur, un PA pour le monsieur. GG à lui. En plus, c'est une petite 60-60. Elle est plutôt propre. Putain, elle a même pas signé, mais quelle honte. Il a même pas signé, gros. Il a même pas signé. Par contre, t'as de la chance, parce que c'est... Bon, c'est pas passé sur la 12, dommage, mais c'est passé sur le deuxième item le plus cher de la bague. Bien joué. 5 tacs, ça coûte cher, non? Pas cher, mais elle est propre. Elle est très propre. J'arrive sur le live exo PA. Ouais, mais c'est pas pour moi, ça. Un PA pour celui-là, parce qu'il est plutôt sympa. Yes! Yes! Le G, en plus, les gars. Le G. Un 10 d'eau. Et voilà, ça y est, c'est bon les gars, on a fait 400 échecs, on a purgé la malchance. C'est bon, c'est terminé, c'est bon là. C'est fini les gars, la malchance c'est terminé, on a purgé. Merci à tous d'avoir assisté à ce magnifique passage de Rune PA. Magnifique pilot en 43 tentats en fait, 42 plus le succès. Salut YouTube, t'as ça y est, tout le monde sait maintenant. La chance est de retour, je vais mettre tout de suite en commerce. Vent, pilot, PA, 10 d'eau. Bah en fait... Il y a 9 donutres parce que j'ai eu un puits PO. En fait, j'ai eu un puits PO. Bah, le donutre, j'ai pas réussi à le rentrer sur le puits PO. Très content. Sur l'item qui a le plus de valeur de la bague. Voilà. En plus, les gars, j'ai dit, allez. J'étais là, j'allais passer la rune PM et je me suis dit, c'est un 10 d'eau. Je vais switch, je vais mettre une petite PA au cas où. Et là, ça rentre. C'est excellent ça. On va aller voir HDV combien ça vaut. Invite quand t'as fini. Ah oui, c'est vrai, il y a une vague à faire pour le monsieur. Je fais sa vague et on go voir le prix du pilot HDV. Là, franchement, si j'en repasse un sur sa vague, c'est de l'abus ultime. Et bah, crier si ça rentre. Hein. Allez, pas belle celle-là. Elle méritait pas de passer. Ok, rien n'est rentré. Désolé. 16 millions, écoute, je crois, on va aller voir ça. On va aller voir ça ensemble. Bon, voyons voir le G. Enfin, j'espère au moins 15 millions, parce que sous 15 millions, c'est un petit peu du vol. Hein. 8 dos, 8 dos, 9 dos. Alors. Oh. Alors, en comparatif, on a un PM, mais il y a une puissance dégueulasse et des donuts à 8. 15M3, on a un autre PM avec full 10, 45 puissance à 18M. Je pense que le mien vaut, ouais, 18 peut-être. 20 millions, ça partira pas. Je vais mettre 19M en commerce, au cas où quelqu'un par hasard tombe dessus et veut l'acheter. Même si là, je sais que j'aurai full MP de gros débiles qui m'ont proposé offre en or, mais Osef. Je sais pas combien je vais le mettre. Moi, je pensais mettre à 18, 19, je pense. Pas que ça partira à 19. Moi, je dirais 18 et quelques. 18M5. Ça me semble pas mal, l'IGM5. Allez, 18 430 000. Ça me semble pas mal. Estimation pour ça, Grand Duel Evena. Je vais te dire ça tout de suite. Je vais mettre lui en vente. C'est parti pour la petite vague. Et j'avais call que je mettais un PA sur l'anneau plus rose. L'anneau et pas la mue. Hein. Abusons pas. Donc, du coup, je le fais. Oh, s'il passe, les gars, je pleure. Attention. Ok. Nice. Allez, je mets sur la mue aussi. Hop. On maraboute. Allez, jusqu'au bout. On est courageux. Voilà. On a marabouté 2 tentats. Je suis un vrai homme qui maraboute comme un homme sur des pioux. Et pas sur des gilanos. Comme un faible. Voilà. Ok, rien du tout. On est à 10 échecs. Bah, c'est parti pour la vague. Ce sera full PM cette fois parce que j'ai envie. Allez. Pas de pilot. Allez, je veux voir cette barre grandir. Non. Et ici, je veux voir une barre apparaître. Non plus. Ok, au suivant. Bien, en parlant de ça, full PM. Prochaine vague, ce sera PA. Là, je refais full PM. Et lui, PA, comme j'ai un petit overvita. Non. Dommage. C'est parti. Donc, PM sur lui. Voilà. Et les autres, ce sera full PA. Let's go. Ah, moins de PO. Non, pas de tenta gratuite. Non. Allez, je veux voir le PA passer en dessous. Non, je crois que c'était tout. Non, il reste celui-ci. Le petit 10 d'eau. Non plus. Bon, après, ça aurait été fumé. Je viens d'en faire un, faut pas abuser. Il a quand même dit, si tu passes un exo avant moi, là, juste là, je te file 1 million. Je prends note. Je vais en passer un tout de suite. Et comme ça, tu me fileras 1 million de Kama et ce sera réglé. Et le magnifique pilot, qui est un petit peu plus beau que celui qu'on a passé hier. Non. Dommage, ça aurait été fumé quand même. J'aurais passé 2 pilots 10 d'eau en 2 jours, ça aurait été un petit peu n'importe quoi. Hein. Bon bah c'est parti, on a une vague avec beaucoup de bons jets, on a que des pilots 10 d'eau, donc c'est parti. Non. Oh, merde, j'ai vrillé, désolé. Je m'ai rabouté sans faire exprès. Je sais pas s'il m'a pris, je suis désolé, j'ai eu une absence, je sais pas. Il y a des moments comme ça, tu deviens débile. Bon. Allez, mon PO. Ok, fuck. Pas de tenta, dommage. En avant pour la vague, c'est y part. Non. 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 Et les picanos, ça, ce sera PA comme j'ai un bon G overchance.
Non. Et lui, ce sera PM. Parce que j'ai envie. Non. Ok. 41 échecs. Je vais aller racheter des GPA et des GPM. Allez, les pilotes tout moches. Les pilotes tout moches. Celui-là, il est un peu moins moche quand même. Non, un remoche. Et les picanos. Ce serait cool de passer un picano plutôt qu'un pilot changé. Et non, pas cette fois. C'est parti. Non, allez, 10 dos. Non, lui il est moche. Lui il est moche, moche. Le picano over vita du coup. Non plus. Ok, 56 échecs. Parfait, puisque tout est monté, allons-y. On va commencer par un G. Un G pour quelqu'un qui n'a pas d'âme. Je suis absolument désolé de ne vous faire subir ce massacre, mais le PO a niqué tous les dommages neutres en repassant, et je me suis dit, vas-y fuck quoi. De toute façon, il passera pas, donc voilà, pas de regret. Mais je préférais quand même me défendre avant de passer la rune. On sait jamais. Non. Non, et le 60e... Non. Ok. Ah, monsieur veut marabouter sur Bouze Leclerc. Eh bah tu sais quoi, le Bouze Leclerc, je le passerai en dernier. Allez, c'est parti. Non. Non. Par contre, je lui ai déjà passé une glourse l'autre coup. Oh, 12 dos. Si je repasse un exo, faut l'insulter. Hein. Non. Non. Et le Bouze? Non, j'ai passé le Bouze en vitesse. Désolé. Bon, il est à côté du boldo, il a dit. D'après le monsieur, c'est un boldo, ça, mais bon. Je mets sur quoi les runes? Choisis les runes, ok. Eh bien, je choisis les PM sur les moins chers, à savoir sur Chevelu, sur Alistair. En plus, il overagit, donc c'est parfait. Non, et sur le Pilo. Non. Et du coup, les 3 PA sur les plus chers. Non. Non plus. Il a les Glours. Et merci pour le boost de karma, les amis. Grâce à ce boost de karma, je vais pouvoir passer un exo sur ma vague. Merci à vous. Grand merci pour ce boost de karma, les amis. Si j'en passe un, ils vont pas être contents. Allez, il est beau, celui-là. Il est beau, celui-là. Non. Et celui-là? Yes! Non, je rigole. Là, gros, s'il y en a un des deux qui était pas devant le stream, il a dû se dire, oh, le fils de pute. Cap de bavardage. Bon, on est à 66 échecs. On va monter à 71 ou pas? Voyons voir. Si ça passe, je veux vraiment que ça tombe sur un picano. Hein. En plus, j'ai un acheteur direct, si je le passe. Non. Allez. Non. Bon, next.